Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 31 octobre 2016 du Conseil de ville de Delbault-Mistassini. Alors, sans plus tarder, pour adopter l'ordre du jour, j'aurai besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est l'adoption du procès-verbal à la séance ordinaire du 11 octobre 2016. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est le rapport de service direction générale, offre de services, aide, conseil en rénovation patrimoniale, SARP, dans les années, pour les années 2017 à 2019. Oui, M. le maire, donc c'est, comme expliqué, là, depuis plusieurs années, le SARP offre un service à la ville de Delbault-Mistassini qui peut être utile aussi, là, entre autres, au niveau de l'urbanisme, pour certains projets de construction dans notre ville, pour des projets commerciaux ou résidentiels. Donc, pour ce faire, l'entente doit être conclue avec le SARP pour établir le nombre de consultations et le prix de ces dernières pour une durée de 3 ans. Donc, ce qui est recommandé, c'est que la ville de Delbault-Mistassini, considérant que la ville de Delbault-Mistassini désire offrir à sa population l'opportunité d'obtenir les services du SARP dans la réalisation des projets de rénovation des citoyens, considérant que pour ce faire, une entente doit être conclue avec le SARP pour établir le nombre de consultations et le prix de ces dernières pour une durée de 3 ans, soit de 2017 à 2019 inclusivement. Donc, considérant que le SARP nous propose 21 consultations et plus, incluant les consultations non utilisées, sur une période de 3 ans selon les tarifs suivants. Donc, il y a des tarifs pour les résidences. 2017, ça passe de 588 par consultation en 2017 à 605 en 2019. Ça, c'est pour des résidences. Pour les commerces, pour 2017, 1021 et en 2019, c'est 1052 $, donc une légère augmentation. Donc, ce qui est recommandé, c'est que le conseil accepte l'entente de service conseil en rénovation patrimoniale avec le SARP pour les années 2017 à 2019, inclusivement, et d'autoriser le directeur général à signer la dite entente au nom de la municipalité. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Alors, on invite la population qui ont des projets de rénovation à consulter le service d'urbanisme. Vous pourriez être éligible à ce genre d'aide-là. Alors, on vous invite à le faire. Prochain point, rapport de service des finances, adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois de septembre 2016. Oui, M. le maire, seulement pour mentionner que je me suis retiré des discussions. Moi de même, M. le maire. Alors, il sera mentionné au procès verbal que M. Luc Simard et Pascal Cloutier se sont retirés des discussions. Je laisse la parole à M. Rémy Rousseau. Oui, M. le maire, ces comptes-là nous ont été soumis par Mme Suzy Gagnon, qui est directrice des finances et trésorières. Donc, le total des comptes payés est de 1 713 032 et à payer, c'est 220 150 42. Pour un total de 2 028 923 74, ces comptes-là ont été vérifiés par moi et Mme Bergeron, donc de la Commission des finances, qui vous recommande l'adoption de la liste des comptes à payer et payés du mois de septembre 2016 et qui en certifie ainsi la disponibilité des fonds. On en fait la recommandation. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service des finances. Demande de financement temporaire de 5 500 000 $ signature. La parole à M. Savard. M. le maire, raison de nombreux déboursés effectués dans le cadre des projets d'investissement, dont principalement la construction de la nouvelle caserne, qu'on voit tous les jours, puis ça avance de plus en plus, ainsi que de divers travaux en immobilisation, tels que l'achat de machinerie, finition de rue, défection de trottoirs et de bordures, divers travaux sur immeubles. Alors, nos fonds d'activité d'investissement est présentement déficitaire. Alors, nous sommes donc dans l'obligation d'emprunter à court terme afin de rencontrer nos obligations et de combler nos besoins en capital. Cette procédure est normale et habituellement en fin d'année, puisque nous procédons au financement permanent seulement dans l'année suivant la réalisation des travaux. En agissant ainsi, la plupart des travaux en immobilisation seront complétés lorsque nous procédons au financement permanent prévu en mars prochain. Alors, en raison de nombreux déboursés effectués dans le cadre des projets d'immobilisation, notre fonds d'activité d'investissement est présentement déficitaire, comme je viens de dire. Nous sommes dans l'obligation d'emprunter à court terme afin d'en rencontrer nos obligations et de combler nos besoins en capital. Alors, il y a lieu pour l'opportunité de donner suite au rapport de service daté du 28 octobre, où la directrice des finances recommande d'autoriser le financement temporaire au montant de 5 500 000, que nous avons procédé par une invitation auprès de 5 institutions financières. Alors, la direction des finances recommande d'autoriser le financement temporaire de 5 500 000
au plus bas soumissionnaire conforme, la Banque royale du Canada, au taux préférentiel minoré de 0,6% pour une durée d'environ 5 jours, et que le conseil municipal autorise sur le maire et à la directrice des finances et des trésoreries à signer les documents requis. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On passe au prochain point, qui est un rapport de service de finances, adoption de la liste des dons et subventions. Je tiens à mentionner que je me suis retiré des discussions sur ce point, M. le maire. Parfait, M. Simard. Alors, sera noté au procès verbal que Luc Simard s'est retiré. Alors, je laisse la parole, cette fois-ci, à Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport daté du 31 octobre 2016. Les consultants ont été M. Rousseau, M. Claude Godbout, Mme Suzy Gagnon et moi-même. Alors, les montants, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport daté du 31 octobre 2016 concernant l'adoption de la liste de demandes de dons et subventions et aides aux organismes, laquelle la Commission des finances recommande un montant de 10 228,17. Que le conseil municipal adopte la liste de demandes de subventions et aides aux organismes en date du 31 octobre 2016, annexée au présent rapport pour un montant de 10 228,17. Je voudrais porter à l'attention des membres du conseil quelques dépenses. Concernant l'École Notre-Dame-des-Anges, subvention brigadière scolaire, 4 500. Le tournant 3F, remboursement des taxes INR, 3 459,40. CEMO, Saguenay-Lac-Saint-Jean, remboursement des taxes, 1498,77. Également, Société de gestion environnementale, 20e édition, souper bénéfice annuel, 2 billets pour 120 par personne pour un montant de 240. Nous avons une note au dossier qu'en regard à cette représentation, le conseil municipal mandate le ou la conjointe de l'élu qui accompagnera celui-ci ou celle-ci à représenter la ville. Alors, j'en fais proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est le 7e point, rapport de service du greffe. Adoption du règlement numéro 1654-16, ayant pour objet de modifier le règlement 1198-03, établissement un tarif applicable au cas où des dépenses seraient occasionnées pour le compte de la ville de Beaumont-Mistassini. Oui, M. le maire, on sait que le conseil avait accepté en juin 2003 un règlement qui était sur des tarifs applicables, des dépenses aussi, comme vous avez mentionné, qui sont occasionnées au compte de la ville de Beaumont-Mistassini, comme exemple le déjeuner et le souper. Avec le tarif qu'on a présentement, ça ne représente plus la réalité, donc il y avait lieu de faire de la majoration. Donc, il y aura un règlement qui serait en vigueur, qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2017. Ce règlement-là viendrait majorer les montants alloués pour le déjeuner et le souper, faisant en sorte que le déjeuner dorénavant sera à 15 et que le souper sera à 40. Donc, considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement puis renoncent à sa lecture, donc on accepte cette nouvelle modification du règlement 1654-16. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 8e point, qui est un rapport de service du greffe. Adoption du règlement numéro 1644-16, ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1564-14, intitulé « Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Debout-Mistassini ». Oui, M. le maire, donc je propose l'adoption du règlement. Merci beaucoup. Prochain point à l'ordre du jour, rapport de service greffe, avis de motion au règlement numéro 1656-16, amendant le règlement numéro 1579-14, restreignant la circulation des véhicules lourds. Je vous donne l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. 10e point, rapport de service greffe, mandaté Maître José Potvin pour représenter la municipalité devant le tribunal administratif du Québec dans les dossiers 93-14-0929 Québec Inc. versus la ville de Dolbeau-Mistassini, numéro TAQ-SAI1, trait d'union trait d'union 21-97-43-1609 et 92-95-0161 Québec Inc. versus la ville de Dolbeau-Mistassini, numéro de dossier TAQ-CSAIQ-21-97-45-1609. Voulez-vous me le répéter dans l'ordre et le désordre? Et je laisse la parole à M. Rousseau, l'expert des chiffres. Vous allez comprendre, M. le maire, que je ne répéterai pas ce que vous venez de dire, mais oui, c'est dans le but de mandater un procureur afin de nous représenter dans ces deux dossiers. Donc, ça serait l'avocate, ça serait Mme Josée Potvin de la firme d'avocats Simard-Boivin-Lemieux, et le coût des honoraires sera établi en fonction des heures affectées au dossier, et ce, au taux horaire prévu
à l'entente de service, soit 160 $ l'heure. Donc, considérant qu'il y a lieu de demander à Mme Potvin l'étude Simard-Boivin-Lemieux afin de nous représenter devant le tribunal administratif dans les deux dossiers que vous avez mentionnés, je recommande que le conseil mandate Mme Potvin de l'étude de Simard-Boivin-Lemieux pour nous représenter. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui se demandent de quoi il s'agit, ce n'est pas une maladie rare. En fait, c'est une contestation de taxe. Alors, c'est pour ça qu'on va aller se défendre en cours devant cette entreprise qui conteste un compte de taxe. Ce qui est dans, pardon, l'évaluation. Excusez-moi, madame. Mais ça allait arriver aux taxes. Excusez-moi, je suis allé trop vite. Alors, merci. Est-ce que j'ai fait voter? C'est fait. Le 11e point, rapport de service, greffe, nomination d'un représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Beaumistassi. Monsieur Savard, s'il vous plaît. Monsieur le maire, sachant que le mandat de M. Pascal Trichet au sein du conseil municipal se termine le 2 décembre, oh, ça disparaît, ça revient. M. Trichet aimerait toujours siéger au sein du conseil d'administration de l'Office municipal, mais qu'on sait qu'en novembre 2017, il y aura des élections municipales, puis c'est toujours un mandat de 2 ans, c'est ça, M. Trichet? Trois ans, alors il y aurait lieu de nommer un représentant jusqu'au 31 décembre 2017, et par la suite de redonner, alors c'est tout un constat. Alors, on nomme M. Cartier-Touché jusqu'à la fin du mandat à titre de représentant, et ça, pour un mandat se terminant le 31 décembre 2017. Alors, j'en fais la proposition, M. Maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain. Rapport de service du greffe. Oui, rapport de service du greffe, radiation de la clause résolution en regard de l'immeuble 6 au 95 boulevard panoramique, centre confédératif et signature. Alors, la parole à M. Rousseau. Oui, dans ce dossier-là, dans le contrat de vente, il était mentionné que l'acquéreur devait réaliser des travaux en vertu d'un échéancier. Donc, l'échéancier a été respecté, ce qui fait en sorte que les travaux de réfection de l'immeuble qui ont été réalisés à l'intérieur de l'échéancier du contrat, au contrat prévu, qui ont été publiés par inscription au titre foncier de la circonscription foncière de Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ouest. Considérant qu'il y a lieu aussi d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer ledit projet d'acte de radiation et que le conseil municipal consente expressément à la radiation de tous ses droits de résolution résultant de l'acte susdit, dont les droits ont été publiés par inscription au livre foncier de la circonscription foncière du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ouest, sous le numéro 21-442-765, tel que soumise par le notaire maître Cathy Savard, et que M. le maire et la maire ou le maire suppléant et le greffier soient ou sont autorisés à signer pour au nom de la ville l'acte de radiation. Donc, c'est pour terminer ce dossier-là, pour la vente, j'en fais la proposition. Merci. Sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Poursuivons au prochain, qui est un rapport de service du greffe. Vente pour défaut de paiement de taxes. Mme Bergeron. C'est un rapport qui émane du service de la greffe. Alors, l'objet, c'est un rapport de service de greffe, vente pour défaut de paiement de taxes pour les années 2014, 15 et 2016. C'est un rapport qui a été consulté par Mme Suzy Gagnon, directrice des finances et trésorières. Alors, considérant qu'il y a lieu de donner suite au rapport de service greffe daté du 18 octobre 2016 concernant la vente pour défaut de paiement de taxes, considérant qu'afin d'éviter la perte de certains comptes de taxes pour la prescription de 3 ans, que le conseil municipal, lors de sa séance du 31 octobre, passera une résolution ordonnant aux greffiers, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires à l'enchère publique le 2 décembre 2016 à 11 h au bureau du conseil municipal situé au 1100 boulevard Walberg à Dolbeau-Mistassini. Qu'il y a lieu de donner suite au rapport de service greffe daté du 17 octobre 2016 concernant la vente pour défaut de paiement de taxes, que les immeubles devront être vendus à l'enchère publique figurant à l'annexe de la présente résolution, qu'il faudra procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes selon l'article 513 et suivant de la loi sur les cités et villes, que Mme Suzy Gagnon soit mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes due et devant se tenir
au bureau du conseil au 1100 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini, que Mme Suzy Gagnon ne sera pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication et que cette dernière ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant satisfaire à toute dette, privilège antérieur ou égal à celui des taxes municipales. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est un rapport d'analyse de soumission incendie, achat de mobilier de bureau pour la nouvelle caserne. Oui, M. le maire, donc, on sait que la nouvelle caserne, ça va prendre du mobilier. C'est quelque chose qui était prévu au budget. On récupère quand même du mobilier déjà existant présentement, mais il y en manquait une partie. Donc, il y a deux soumissionnaires qui ont été invités. Les deux ont été jugés conformes. Donc, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 27 octobre 2016, où le directeur du service incendie et l'adjointe administrative recommande d'octroyer le contrat à la librairie centrale pour un montant de 18 527,92 $, taxes incluses. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Je dois dire aussi qu'on en a acheté précédemment dans la liquidation de la CRE. On a ramassé plusieurs équipements qui provenaient de la maison de la région. Alors, on passe au prochain point, qui est un rapport de service des incendies, adoption du rapport annuel. Oui, M. le maire, l'article 35 de la loi en sécurité incendie stipule que l'autorité municipale doit adopter son rapport annuel d'activité par une résolution, puis le déposer au ministère de la Sécurité publique. Le rapport annuel 2015 a été déposé au comité intermunicipal en sécurité incendie, c'est-à-dire le CSI, du secteur S de la MRC Maria-Chapdelaine, le 21 septembre dernier. Le conseil municipal est donc en mesure d'adopter afin de pouvoir le transmettre aux autorités gouvernementales. Donc, c'est considérant que le rapport a été présenté en conférence de presse le 5 octobre dernier à la caserne numéro 1, 6 au 1100 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Considérant que l'article 35 de la loi en sécurité incendie stipule que l'autorité municipale doit adopter son rapport d'activité par une résolution, donc je propose, M. le maire, d'accepter le rapport annuel 2015 des activités du service incendie secteur S, MRC Maria-Chapdelaine, le CSI. Je vous en remercie. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, qui est le 16e point, rapport de service incendie, demande d'aide financière pour formation. Oui, M. le maire, en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi des programmes d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel. Alors, ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement de manière sécuritaire en situation d'urgence. Alors, ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou le temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Alors, la municipalité de Dolbeau-Mistassini, qui dessert le secteur est de la MRC Maria-Chapdelaine, on parle de 8 municipalités et une TNO, désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. La municipalité de la ville prévoit la formation de 11 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière de sécuritaire et à des situations d'urgence sur son territoire. Alors, la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Maria-Chapdelaine en conformité avec l'article 6 du programme, que le conseil municipal, par résolution, présente une demande financière dans le cadre du programme d'aide financière, pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour confirmer notre intention de former 11 candidats en 2017 et transmettre cette demande à la MRC Maria-Chapdelaine qui agit comme autorité régionale. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Il y a beaucoup de va-et-vient dans le personnel et ça nous en prend toujours. Donc, le 17e point, qui est un rapport de service des incendies, encore une fois, mandaté Ville-Saguenay à effectuer le processus contractuel pour l'achat d'appareils respiratoires et des cylindres. Et la parole, cette fois-ci, est à M. Simard. Alors, tout à l'heure, une petite mise en contexte là, pour expliquer un peu le point, c'est que lors des interventions, les pompiers ont toujours besoin d'avoir des équipements respiratoires conformes là, et qui permettent d'assurer leur sécurité et leur santé. Donc, les appareils qu'on a datent de plusieurs années, ils ne sont plus vraiment adéquats, sont désuets, ils ne respectent pas vraiment les normes et aussi on a beaucoup de difficultés à trouver des pièces de rechange vu que c'est des appareils qui sont discontinués, donc on est en obligation là, de les changer en 2017. Cependant, on a l'opportunité là, de faire un achat regroupé avec la ville de Saguenay, ce qui peut nous permettre d'économiser certains sous, donc c'est une bonne opportunité.
Donc, la résolution se lit comme suit. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport des services daté du 18 octobre 2016 concernant le regroupement d'achats pour la fourniture d'appareils respiratoires et de cylindres pour l'année 2017, considérant que les appareils actuels ne répondent plus aux normes en vigueur et que le modèle est discontinué, considérant que nous avons reçu une proposition de la Ville de Saguenay de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé. Donc, il y a certains articles de la loi sur la cité et ville qui permettent de conclure une entente avec une autre municipalité dans le but de demander des soumissions pour l'adjudication d'un contrat. Donc, ce qui est recommandé, c'est que la Ville de Dolbeau-Missassigny confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d'achats géré par Ville de Saguenay, que la Ville de Dolbeau-Missassigny confie à la Ville de Saguenay le mandat de préparer sur une base ponctuelle en son nom et celui des organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger le contrat d'achat regroupé pour les appareils respiratoires et les cylindres, que si la Ville de Saguenay elle juge le contrat, la Ville de Dolbeau-Missassigny s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat était adjugé, que pour permettre à la Ville de Saguenay de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Dolbeau-Missassigny s'engage à fournir les noms et quantités des équipements dont elle aura besoin. Donc, un exemplaire aussi va être transmis à la Ville de Saguenay. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On passe au prochain point, qui est cette fois-ci un rapport de service d'ingénierie, convention d'entente avec Rio Tinto pour la remise en état des rues dans le secteur de Vauvert. Oui, M. le maire, Rio Tinto a procédé à des travaux de stabilisation des berges à l'automne 2014 et l'hiver 2015, ainsi qu'à l'été 2016, dans le secteur Pointe-à-Langevin et rue de l'Abbé à Vauvert. Les activités de transport de pierre nécessaires aux travaux ont occasionné quelques bris relativement mineurs aux rues municipales du secteur de Vauvert. Le service des travaux publics a procédé à l'inspection puis a évalué les coûts de réparation suite au transport fait en 2014 et 2016. Et le service d'ingénierie a procédé à l'inspection des coûts en les réparations suite du transport fait à l'été aussi 2016. Donc, considérant que Rio Tinto a détérioré les rues dans le secteur de Vauvert suite à leurs travaux de stabilisation des berges dans l'année 2014, 2015 et 2016, considérant que la Ville a mis en demeure Rio Tinto de voir à réparer les bris, considérant que la Ville a évalué les coûts de réparation à 15 000 $ plus taxes, considérant que Rio Tinto accepte de payer les coûts pour que la Ville charge des travaux, considérant que Rio Tinto requiert que la Ville signe une convention de reçu de quittance, donc le service d'ingénierie recommande au conseil d'accepter l'entente avec Rio Tinto pour compenser les frais de réparation des rues dans le secteur de Vauvert au montant de 15 000 $ suite à les travaux de stabilisation et d'autoriser M. Justin Néron, directeur du service d'ingénierie, à signer l'entente pour et au nom de la Ville. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, avis de motion règlement 1657-16 décrétant un emprunt et une dépense de 321 000 $ pour l'achat d'appareils respiratoires. Je propose l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup, M. Rousseau. Prochain point, rapport de service ressources humaines dotation d'un poste de technicien en instrumentation et contrôle. M. le maire, le poste régulier de technicien en instrumentation et contrôle est vacant de façon permanente suite à la démission du titulaire du poste le 29 septembre 2016, depuis ce temps-là, alors qu'une ouverture de poste a été faite l'objet d'une affichage à l'interne, conformément aux dispositions prévues à la Convention collective de travail pendant la période du 4 au 14 octobre 2016. Et suite à l'affichage, M. Justin Bellé a soumis sa candidature et que ce dernier détient les exigences requises pour occuper la fonction. Alors, le directeur général et la coordonnatrice des ressources humaines recommandent au conseil municipal d'autoriser l'embauche de M. Ghislain Bellé au poste régulier technicien en instrumentation et contrôle, et ça, aux conditions prévues à la convention collective de travail. J'en fais la proposition, M. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 21e point, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, achat de lames de déneigement. Oui, le requérant pour cette demande est M. Denis Boilly, directeur des travaux publics. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 18 octobre 2016 concernant l'achat de lames de niveleuse, où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant que deux compagnies sur trois ont déposé une soumission, équipement SMS conforme pour un montant de 10 293,48 $ taxes incluses, Robitaille équipement conforme pour un montant de 11 738,95 $
taxes incluses, considérant qu'elle est jointe au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorières de la municipalité. Nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 18 octobre 2016 où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à équipement SMS pour un montant de 10 293,48 $ taxes incluses. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. 22e point, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, acquisition d'un système de transfert automatique d'alimentation électrique pour génératrice à l'usine Amel. Oui, M. le maire, le système actuel de l'usine Amel qui effectue le transfert automatique de l'alimentation électrique à la génératrice en cas de panne est désuet. Nous ne pouvons donc pas être assurés que du son bon fonctionnement en cas de besoin. Donc, il a été prévu au budget 2016 de mettre à jour ce système en acquérant un nouvel équipement de transfert automatique. Nous avons donc procédé à un appel d'offres sur invitation. Il y a deux soumissionnaires qui ont été invités. Le plus bas soumissionnaire est Génératrice Drummond pour un montant de 12 302,33 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire, vu que c'est un achat qui était prévu même au budget. Donc, c'est simplement de se remettre à jour avec nos équipements. J'en fais la proposition. Merci. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 23e point, rapport d'analyse de soumission aux travaux publics, contrat C-2334-2016, réfection de la toiture du bâtiment Groupe Espoir. Oui, M. le maire, 5 soumissionnaires ont été invités, 3 ont déposé une offre. Les 3 ont été jugés conformes. Donc, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 20 octobre 2016. Où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à David Lejeune Construction pour un montant de 24 875 taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, rapport d'analyse de soumission, travaux publics, contrat C-2336-2016, tamissage de l'abrasif. Donc, c'est une petite problématique qu'on a eue avec notre dôme cette année, donc il datait quand même de plusieurs années. Donc, on sait que c'est effondré. Donc, la réserve d'abrasif est encore, l'abrasif est encore utilisable, mais il faut le passer au tamisage. Donc, on est allé en appel de proposition. Donc, on a eu 5 soumissionnaires invités, dont 4 qui ont déposé une offre. Donc, ce qui est recommandé, c'est de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 20 octobre 2016, où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommande d'octroyer le contrat à Logistique Unibec Incorporé pour un montant de 21 615 $ et 30 sous taxes incluses. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Pour ceux que ça intéresse, vous savez, suite à l'effondrement de cette structure-là, les assurances ont couvert les frais. Et ce que vous voyez près de la caserne, de la future caserne de pompiers, c'est le nouvel entrepôt qui est en train de se construire. Alors, si les gens s'interrogent à savoir qu'est-ce que c'est que cette nouvelle bâtisse-là, c'est l'entrepôt de sel et, comme on peut le faire remarquer, c'est à coût nul pour les citoyens grâce un peu à l'assurance qu'on avait prise sur ce bâtiment-là. Des fois, ça tombe bien. Alors, prochain point, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, contrat C-2326-2016, vêtements d'hiver. Oui, considérant qu'il y a lieu pour le conseil de donner suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 18 octobre 2016, qui concerne la fourniture de vêtements d'hiver, où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées. Il faut dire que ça, c'est conventionné, ces achats-là. Considérant que 2 compagnies ont déposé une soumission, Cordonnerie Bouchard Delbeau, limitée, qui est conforme pour un montant de 4 803,43 $ taxes incluses, et LCR Vêtements et Chaussures, aussi de Delbeau-Mistassini, conforme pour un montant de 4 960,60 $ taxes incluses. Considérant qu'elle est joint au dit rapport de service, un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorières de la municipalité, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 18 octobre dernier, où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative on nous recommande d'octroyer le contrat à Cordonnerie Bouchard Delbeau Limité pour un montant de 4 803,43 $ taxes incluses, considérant que ce montant représente la première commande et que la dépense finale sera en fonction des besoins de la période. J'en fais la recommandation. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point qui est le 20,
Sixième point, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, cette fois-ci, entretien des chlorateurs, hygiène du milieu. Oui, les normes du ministère exigent de faire l'entretien des chlorateurs des usines annuellement. Alors, nous avions un contrat de 3 ans qui est échu cette année. Alors, on a, là, c'est pour les années, pour les 3 prochaines années de 17, 18, 19, 2000, 2017. Et 2 soumissionnaires ont été invités. À ce moment-là, les trois dernières années, ça a été un entretien chlorathique qu'il avait eu. Alors, je vais y aller avec la recommandation, considérant que ici, joint le rapport de service, un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par le directeur des finances de l'Institut, nous recommandons au conseil municipal donner suite au rapport d'analyse de la soumission daté du 18 octobre 2016, où le directeur de travaux publics et l'adjoint administratif recommandent d'octroyer le contrat. C'est la même compagnie de Bleu 3 ans. Entretien chlorothèque incorporé pour un montant de 4 579,39 taxes incluses annuellement pour une période de 3 ans. On parle de 250-300 piastres de différence. Il n'y a vraiment pas eu des grosses augmentations. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, le 27e point, qui est un rapport de service provenant des travaux publics. Autorisez M. Denis Boilly à signer en tant que représentant de la Ville une demande de consentement municipal auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, le MTMDET, MTQ. Je laisse la parole à Mme Bergeron. Oui, c'est qu'on a reçu récemment une demande de la compagnie Vidéotron pour l'installation d'équipements sur un poteau d'Hydro-Québec devant le 41 rue Touzain. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service des travaux publics daté du 18 octobre 2016, concernant la demande de consentement pour l'installation d'équipements par la compagnie Vidéotron, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport de service des travaux publics daté du 18 octobre 2016 et d'entériner l'acceptation qui a été signée par M. Denis Boilly, directeur des travaux publics. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, le 28e point, travaux publics, encore une fois, le rapport de service. Rapport de délégation de pouvoir en vertu de la politique 1580-14. Oui, Monsieur le maire, considérant que pour le conseil municipal de donner suite à ce rapport de service des travaux publics qui est daté du 18 octobre dernier, c'est des dépenses qui sont autorisées en vertu d'une politique, comme vous avez mentionné, la 1580-14, c'est de gestion contractuelle, d'autoriser des dépenses et de contrôle budgétaire, lequel totalise un montant de 21 852,71 taxes incluses. Donc, il y a toujours à ce rapport-là qui est déposé, il y a un service... Et un certificat de crédit qui est disponible de fonds, qui est disponibilité des fonds qui a été mis par notre directrice des finances. Donc, le conseil donne suite au rapport, donc demande d'accepter ces dépenses-là. Parmi ces dépenses, pour en nommer quelques-unes, c'est des dépenses de quincaillerie, comme il y avait une fosse sceptique, pour travaux de la rue J.A.-Delard-Gagnon. Il y avait des ponceaux, il y avait 2 paires de poteaux pour des filets de tennis, des glissières pour ponceaux de rue de la Chapelle, puis des produits pour l'entretien des tours d'eau. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Pour ce prochain point. Rapport de service d'urbanisme CPTAQ 585 23e Avenue. Je laisse la parole à Pascal Coutier. Oui, M. le maire. Donc, le demandeur, c'est Béton Provincial qui a mandaté Technique Conseil. C'est M. Harold Chassé de Technique Conseil là, qui fait une demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation d'une sablière avec concassage et tamisage pour une période de 10 ans. Donc, on a pris connaissance de la demande présentée. La demande, comme je viens de dire, c'est pour renouveler pour une période de 10 ans. La propriétaire actuelle, Mme Marie-Marthe Veilleux, résident au 501 23e Avenue Adelbeau-Mistassini, exploite une sablière en vertu d'une autorisation initiale de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, portant le numéro 90-38D-132-361, accordé à l'époque à M. Rémi Tremblay. Là, il y a des critères à respecter, là, des critères obligatoires et ainsi de suite. L'usage demandé est conforme par droit acquis. Donc, la Ville de Adelbeau-Mistassini recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'approuver la demande de renouvellement d'autorisation pour une période de 10 ans, telle que présentée par Béton Provincial. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service, le 30e point sur urbanisme. Demande de dérogation mineure DM16-010-422, Racine sur le lac. C'est une demande qui a été déposée par Mme Hélène Meunier et M. Maurice Morissette, là, qui demeure au 422 Racine-sur-le-Lac, pour leur propriété.
Donc, le 3 octobre 2016, les propriétaires déposaient une demande de dérogation mineure afin d'obtenir l'autorisation que le garage de 6,73 mètres par 8,55 mètres à l'abri de bois attenant construit en 1996 demeure implanté à 0,4 mètres et 0,8 mètres de la ligne de l'eau latérale, alors que le règlement de zonage numéro 280-92 en vigueur au moment de la construction exigeait une marge minimale de 1 mètre. Et aussi que la gloriette construite dans la cour arrière du lot Vivrain demeure implantée à 1,77 mètres de la ligne de l'eau latérale, alors que le règlement de zonage numéro 1470-11 en vigueur exige une marge minimale de 2 mètres. Donc, ce qui est recommandé, considérant qu'il s'agit d'une disposition du règlement de zonage, marge admissible à une dérogation mineure, règlement 1247-04, 2 en parenthèse, chapitre 11, considérant que les dispositions administratives, les formulaires, les paiements, les plans d'arpenteurs ont été satisfaites, considérant que les documents déposés, demandes, photos, permettent de bien comprendre la demande, considérant qu'après analyse des domaines d'application basés sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice aux demandeurs, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, qu'à notre connaissance, les travaux ont été exécutés de bonne foi puisqu'ils ont fait l'objet d'un permis, à l'exception cependant de la gloriette, qu'il s'agit d'une disposition autre que celle relative à l'usage et à la densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme et qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée. Considérant que la recommandation, ce sens du comité consultatif d'urbanisme du 12 octobre, c'est de recommander au Conseil d'accepter cette demande de dérogation mineure reçue le 3 octobre 2016 afin d'autoriser que le garage à l'abri de bois attenant la demeure implantée à 0,4 et 0,8 mètres de la ligne de l'eau latérale, alors que le règlement de zonage numéro 280-92 en vigueur au moment de la construction, exigeait une marge minimale de 1 mètre et que la gloriette construite dans la cour arrière du lot Riverain demeure implantée à 1,77 mètres de la ligne de l'eau latérale, alors que le règlement de zonage en vigueur exige une marge minimale de 2 mètres. Donc, il y a une remise à bois là, qui empiète sur le terrain voisin qui devrait être démolie, tel que spécifié à l'annexe 4 de la demande là, avant le 31 décembre 2016. Le propriétaire s'est engagé à procéder à cette démolition. Donc, je fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard, sur cette proposition. Avant, évidemment, étant donné qu'il s'agit d'une dérogation mineure, je me dois de demander dans la salle, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette dérogation mineure avant que nous rendions notre décision? Non? Alors, sur cette proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Adopté. Prochain point, 31e point, rapport de service d'urbanisme autorisé la vente d'une partie du lot 5 030 507 du cadastre du Québec à la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean, 170 rue des Bassins. Oui, Monsieur le maire, la RMR désire changer un réservoir qui a présentement 9 400 gallons, qui date de 92, par un nouveau réservoir d'une capacité de 20 000 gallons. Vous l'avez dit, c'est situé 170 rue des Bassins. Donc, ils ont besoin de se porter acquéreur d'un terrain mesurant partie de terrain de 20 mètres de profondeur par 27 mètres de largeur. Il y a eu des consultations qui ont été faites auprès de M. Boilly-Néron pour voir s'il y avait des objections. Ils n'en ont pas. Donc, le prix de vente serait calqué sur celui de 2012, mais avec en plus une augmentation concernant le coût de la vie. Donc, c'est une superficie approximative de 540 mètres carrés à 6,95 $ du mètre carré pour un total de 3 753 plus taxes qui va être demandé. Et puis, les frais d'arpentage, cadastre et notaire devront être assumés par l'acquéreur. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. L'avant-dernier point. Nomination de M. Jean-René Boutin à titre de représentant de la municipalité au sein de la Fédération canadienne des municipalités afin de souligner le 150e anniversaire de la Fondation du Canada. Oui, M. le maire, peut-être mettre un contexte. C'est,
C'est dernièrement, on a reçu une lettre de la Fédération canadienne des municipalités, donne officiellement le coup d'envoi du réseau des leaders communautaires pour le 150e anniversaire de la Confédération. Alors, une occasion unique pour les dirigeants locaux de participer aux célébrations entourant les 150 de cet événement marquant pour notre grand pays. Alors, nous profitons du lancement du réseau pour vous inviter à désigner un ou plusieurs représentants, c'est un illustré au sein de votre collectivité, ou des gens qui peuvent faire partie du comité, et ces personnes deviendraient représentants municipaux aux événements pour le 150e du Canada. Alors, après votre vérification, alors, c'est un citoyen qui va nous représenter, M. Jean-René Boutin, qui va nous représenter pour ce comité-là. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Deux autres points qui se sont ajoutés, c'est des motions de félicitations. La première, c'est Mme Bergeron qui va l'adresser. Oui, au nom de tous les membres du Conseil, on veut adresser là, les sincères félicitations aux organisateurs de la Grande Marche Pierre Lavoie là, qui s'est tenue samedi le 29 octobre. Alors, principalement Mme Marie-Andrée Savard et M. Saint-Pierre, son équipe de bénévoles également, puis tous les participants là, qui ont marché là, lors de cette journée-là. On sait que la température était au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on était dans la neige et dans la pluie battante. Alors, pour promouvoir les saines habitudes de vie, les gens n'ont pas fondu, on dit, à la pluie battante. Alors, c'est intéressant de marcher avec la population de l'Aubissoise. Alors, merci encore aux organisateurs. Merci beaucoup, Mme Bergeron, d'autant plus qu'il y avait près de 1500 inscriptions, en tout cas 15, un petit peu plus qu'une quinzaine de cents. Là. Et sur place, évidemment, il y avait peut-être un petit peu moins de monde parce que les conditions étaient presque exécrables. Il y a même des personnes du foyer du Bel Âge qui sont venues en fauteuil roulant. Ça a démontré, en tout cas, que la population de Beaumont-Mistassi, quand c'est le temps de se donner la main, on est prêt. Donc, ça a été une très, très belle activité. C'est sûr que la semaine, ça avait peut-être lieu la semaine d'avant, mais que voulez-vous, il faut prendre des décisions. Puis félicitations à Mme Savard qui a vraiment travaillé fort dans son organisation. On a eu la prestation, entre autres, de Mme Alex Godreau. Il y a aussi des prestations tout le long du parcours. Donc, ça a été vraiment une belle manifestation pour les saines habitudes de vie. Maintenant, une autre motion de félicitations. Cette fois-ci, je laisse la parole à M. Luc Simard. Oui, bien, en fin de semaine, ça tenait encore un événement là, qui se tient à notre milieu depuis de très nombreuses années. Donc, c'était le gala du Club Panache. Un gars-là qui est très, très couru. Ils ont vendu 2400 cartes de membres, donc ça fait beaucoup de membres, beaucoup de gens qui participent, qui viennent à cet événement-là. Je pense que ça amène des vraies belles retombées dans notre milieu. Là. Les prix qui sont achetés, qui sont tirés, ça provient tout de notre secteur. Ils sont tous achetés sur des commerçants du secteur. Donc, c'est vraiment un très bel événement. Donc, vraiment féliciter Carole Lamontagne, qui est président avec toute son équipe, parce que c'est un très gros travail d'équipe pour organiser un événement de cette ampleur-là. Et je crois que la nouvelle formule qu'ils ont mis en place l'an dernier, de commencer plus tôt et de terminer plus tôt avec un souper, c'est vraiment une formule gagnante. Les gens embarquent, les gens participent, puis je crois qu'ils vendent toutes leurs cartes de membres, il en reste même plus une là, de ce qu'ils font imprimer. Donc, encore félicitations aux membres du comité organisateur du Club Panache, puis on va se dire à l'année prochaine. Merci beaucoup, M. Simard. Alors, ils seront adressés à ces deux organisations les motions de félicitations. Maintenant, on est rendu à la période des questions qui proviennent de la salle. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions? Est-ce que les deux jeunes étudiantes à l'université auraient des questions par rapport à ce que vous avez entendu? Non, pas cégep à l'université. Oui, oui. Ça va? Merci. Dans la foule, non? Parfait. Ben, quand il y en a plus qu'un. Et la parole à nos amis de la presse. Monsieur le maire, concernant les entreprises qui ont contesté leur rôle d'évaluation, c'est quoi? C'est des commerces? Est-ce que vous êtes en mesure de les nommer? Ben, en fait, il y a un numéro de compagnie. Alors, s'il avait voulu mettre le nom, il l'aurait mis probablement. Et il y a eu des transactions importantes dans le milieu. Et c'est lors de ces transactions importantes que la nouvelle acquéreur de contester l'évaluation de sa nouvelle acquisition. Alors, je ne veux pas aller plus loin dans les détails. Des grosses transactions, il n'y en a pas eu des tonnes dans les derniers mois.
Donc, c'est une grosse transaction qui a eu lieu. Puis c'est normal, ça fait partie des possibilités que quelqu'un conteste l'évaluation municipale, juste parce que là, le bâtiment est beaucoup plus important. Donc, c'est ça qui fait qu'on est obligé de mandater un procureur, justement, de la firme SBL, pour nous représenter. Mais sans présumer de ce qui s'en vient. Oui. Alors, je peux vous donner l'adresse. Il s'agit du 1520 et 1530 rue des Érables. Puis l'autre, c'est 1600 des Érables à Delbault-Mistassini. Alors, voilà pour votre réponse. Merci. Concernant l'entente avec Rio Tinto, Alcan, je ne me rappelle plus qui a lu tantôt l'information, mais il y avait eu une mise en demeure pour les forcer à payer les frais. En fait, lorsque ces travaux-là ont eu lieu, on a pris bien soin de caractériser la route, c'est-à-dire d'en prendre, de bien la regarder comme il faut, la photographier, la filmer, la caractériser en fait, pour être certain que lorsque les travaux seraient terminés, que les lieux nous seraient remis dans le même état. Alors, c'est exactement ce qu'on a fait. On a envoyé des gens. On a envoyé des inspecteurs sur place lors des travaux. Alors, quand c'est arrivé à la fin, on a dit, voici, c'est les travaux que vous avez effectués, alors c'est les argents que vous nous devez. Et comme il faut être plus sûr qu'autrement, alors on a fait une mise en demeure en bonne et due forme pour être certain de pouvoir retrouver les argents pour réparer la chaussée et certains endroits. Et le montant qui a été mentionné comble les besoins que l'on a pour réparer la surface. Donc, il vaut mieux le dire avant que s'en apercevoir après. Est-ce que les travaux sont faits ou non? Oui. Non, pardon. Il y a eu des travaux, excusez-moi, c'est parce qu'il y a déjà des travaux qui ont eu lieu. Il y a eu le rechargement, vous savez, évidemment. Ouais, c'est d'autres qui vont avoir lieu dans la baie de Partemingan, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas? Ou... C'est Racine-sur-Mer? Je me rappelle. Ils ne sont pas faits encore, donc ils vont avoir lieu. Ils ont des choses à respecter, mais... Les montants d'argent qui ont été pris, là, que je vous ai mentionnés, ça faisait aussi partie, à moins que je me trompe complètement, là, dans le rechargement de la pointe Langevin, de M. Dionne, là, qui avait vous rappelé un peu du décrochement. Là. Ça avait fait la une d'un certain journal qu'on lit. Mais malgré la mise en demeure, comme disait M. le maire, ce n'est pas une question de conflit avec RT, avec Rio Tinto. Là. Ça a été fait seulement de point de vue technique, mais ils n'ont jamais contesté, puis... Ça s'est fait dans la bonne entente, tout ça. Mesures préventives. Ça, mais advenant le cas que la route de Vauvert soit réparée comme le conseil le souhaite, est-ce que là, ça va changer la façon de faire avec Rio Tinto? Les critères vont être plus sévères parce qu'on sait quand il y a des camions qui passent comme ça. Bon, la route est déjà pas mal maganée. J'imagine qu'elle est capable d'en prendre. Là, mais si le réseau est réparé, est-ce que ça va changer un peu la... Effectivement. On est en train de travailler un nouveau protocole, une nouvelle façon de fonctionner pour la route, mais c'est certain que quand la route un jour sera refaite à neuf, on les a déjà avisés que cette route-là, avec le 10 millions qui est prévu, ça ne sera pas une route qui sera prévue pour le transport lourd, pas plus qu'elle l'était avant. Donc, si on faisait une route avec transport lourd, on doublerait pratiquement le montant des travaux. Donc, je donne un exemple. Dernièrement, il y a d'autres travaux qui s'en viennent et ils vont passer en majeure partie par le chemin de la Bleuetière. C'est des genres d'entente qu'on a avec eux autres. Donc, ils vont passer avec les transports lourds chargés sur ces chemins-là, puis ils vont passer sur la route Vauvert une fois qu'ils seront vides. Mais effectivement, ils vont devoir se pencher sur ça, c'est certain, sur la façon de fonctionner quand la route va être refaite à neuf. Le transport lourd va être interdit tout simplement ou ça comme va être il déjà minimum? Comme il est en ce moment. Déjà, hein? Okay. Il est permis en période de gel seulement. Okay. Mais là, en ce moment, il y a une particularité. Vous savez qu'avec l'histoire du décret, ils ont des travaux à faire avant la fin de l'année. Fait qu'ils ne peuvent pas attendre 2017 pour les faire parce que là, ils ne seront plus autorisés de les faire. Donc, ils ne peuvent pas attendre la période de gel. C'est pour ça que cette année, on est dans une situation particulière. Puis là, comme ville, est-ce qu'on les empêche de le faire? On est comme entre le citoyen puis la compagnie, dans le fond. Si on les interdit, les citoyens n'auront pas le rechargement dans le terrain. Donc là, on est comme... C'est une situation particulière cette année. Mais actuellement, ils attendent la période de jet.
mais se sont engagés, s'il y a des oui. bris, ils vont encore payer la facture. Là, oui, pour ce dossier-là, à l'automne, ils s'engagent à le refaire aussi. Okay. Savez-vous, c'est quoi la longueur des le temps des travaux? Non, j'ai pas la longueur en main, là, mais ils sont dans le processus là, d'autorisation, etc. Ils nous ont demandé, on a donné nos critères, puis quand on aura le détail là, final, ça va être un protocole du même style qu'on va signer. Puis d'ailleurs, M. Potvin, à l'intérieur de, justement de l'Assemblée de ce soir, au point 9, on parle justement d'amender le règlement christianien les véhicules lourds. Alors, ça fait partie de l'ensemble. Je ne veux pas référer à d'autres cas que vous avez frais en mémoire, là, mais on ne veut pas s'embrasser dans des situations où on va faire briser ce qu'on va avoir construit. C'est pas notre intention. Ça va pour moi, merci. Bienvenue, M. Potvin. M. Simard, ça va aller? M. Rousseau? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander une proposition pour la clôture de la séance. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. On vous remercie, puis on vous revoit dans 21 jours à la prochaine séance. Et comme le disait Frédéric, le 21 novembre, et c'est, je pense que c'est à ce moment-là que le discours sur le budget, le discours du maire sur leur budget aura lieu. Alors, c'est la prochaine séance dans 21 jours. Merci. À bientôt.